Sauf si vraiment bon, je suis stressé, tu vois, tu m'as parlé. Re-coucou. On va vous montrer les fameux camions que André a fait. Donc avec la manette. Bon, je vous laisse regarder. C'est vraiment génial. Super, super. C'est moi, c'est Karine qui est dans le camion. Hein. Par contre, c'est Karine qui est dans le camion. Ouais. Et Eric à côté. Et le black à côté, c'est qui? C'est mon amant. C'est l'intérimaire. Allez, même les lumières à l'intérieur et tout, c'est. Allez, petite lumière qui s'allume et tout. Il y a vraiment le bruit du moteur et tout. Et franchement, c'est génial. Vraiment génial. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Vraiment, avec les petites lumières et tout qui s'allument. Ah, c'est super. Il va lâcher, hein. De quoi? Red Bull. Le Red Bull. Arrête de manger Red Bull. Mais je m'en fiche. Hein. Ben non, t'en fiches pas, hein. Il en boit de temps en temps. Là. Ouais, c'est une fois de temps en temps. Hein. C'est vraiment quand on a envie de lui faire plaisir. Là, je sais pas si on n'a pas de temps. Si, il y en a parce que ça pue. Hein. Moi, j'en bois pas de ça. Ça chniffe, hein. Genre, quand j'ai des petits, j'en buvais. Mais... ça sent, puis il y en a. Hein. Ça, je me sens. Ben ça vient pas d'action, ça. Je sais pas si tu as déjà assez.
Je sais qu'à Action, ils en vendent, c'est nouveau, il y en a au Watermelon. Bon, je te présente, je te présente pas. Mais tu peux... Donc voilà, voilà Karine qui est en train de courir là, sur. Ah là, bien sauté là. C'est là, il y a voilà. Il est bien sauté. Non, mais il monte la Karine. Ah. La gonzesse. Voilà, c'est Karine. Voilà, c'est Karine qui saute là. Eh, je suis voilà. Pas à voir, hein. Voilà, voilà, voyez, regardez. Vous voyez comme elle est mignonne, Karine. Voilà, c'est elle, Karine, au Putain, de la meuf de 51 ans, je suis passée à. Non, c'est pour ça. La haine. Donc voilà, c'est Karine, notre adorable abonnée qui nous a gentiment accueillis chez elle pour le week-end. Non mais ils nous ont pas dit c'est qui couche dans le chalet dehors. Par contre on dort dehors. Et Geoffrey dort entre moi et Eric. Oui voilà. Donc voilà. Bah. Et ça c'est le piston. Coucou. Ah, la souris patte. T'as du chocolat les dents. Là, sur tes dents, t'as pas le chocolat, souris pas. Fais voir. Oh, t'as encore un morceau d'Oreo. Déjà, vous la connaissez tous, hein. Coucou. C'est Queen Cécile. Comment elle s'appelle? Queen. Queen Cécile. C'est même plus ça quand on va t'appeler, c'est Flamand. Flamand Rose. Alors, quel effet ça te fait d'être là? Bah, je suis contente. L'air est meilleur ou... Bon, l'air, oui, c'est sûr. C'est moi pour chez vous. Je suis intimidée, là. Coucou. Hé, attends, elle s'est pas recoiffée. Ouais, bah ouais, mais je fais c'est n'importe quoi. J'aime bien ça. C'est Clown Bozo, là. Clown Bozo, ouais. Ouais, regarde, là, ma petite vache, comme ça, là. Les mumeux. Et j'aurai mon flamant rose tout à l'heure. Donc là, on est sur notre petit 4 heures. Faut qu'on la finisse quand même. Un petit gâteau maison. Non, non, maison, non. Le gâteau, tu casses. Mais si, elle a fait maison. Sous plastique, elle l'a emballé tout. Bah, comme. Mais non, regarde, elle a bien fait maison. Bon, c'est pas fait au coquéo, mais c'est fait maison. Ah non, moi, c'est fait avec mes petites mains. Elle dit pas coquéo, on va encore se faire un peu. Moi, c'est fait avec ma petite main parce que voilà, c'est. J'ai fait au cake factory. J'ai tellement des mains. Quel effet ça fait de voir nos tronches? Bam. Un franchement, les abonnés. Arrêtez. N'allez plus sur la chaîne. N'allez même. Les recevez même pas. T'as vu mon beau cul. Oh la salope. Oh. Non, franchement. Moi j'ai rouge. Franchement, vous pouvez y aller. Ils sont cool, sympa. Ben on va arrêter là parce que. Il fait qu'il gonfle là. Disons que si vous leur dites une heure, franchement. Vous leur dites 10h, mais avec Queen Cécile, attendez-vous à 11h. Si c'est pas 11h, d'accord. Alors quand vous avez envie de faire pipi... Faut rajouter une heure. Moi bon, je vous laisse, mais il faut que j'aille. Oui, vous avez envie de faire pipi aussi. Non, parce qu'il vient qu'à prendre des toilettes. Pourquoi tu te caches? Je vais prendre mon sirop. Tu sautes. Ah. Ah. Ça y est, le poids lourd arrive. On arrive. Vous entendez clignotant? Il arrive. Il est en train de livrer du lait là. Ouais, c'est bien. Il est en panne. La cabine. Attendez le temps qu'il arrive. Il a toute la petite plaque sur le devant là où il y a les travaux. Et c'est parti! Vraiment, vraiment génial. Oh,
Ah oui, tu regardes, c'est bon, c'est une émission, ils sont bien. Oui, oui. Mais des fois, ils sont dangereux, hein. Ils passent sur des chemins, oh, punaise. Là il est en rab, il manque de batterie. Il a quoi le jaune? Il manque de batterie? Pas assez chargé. Si, ils font des concours dans certaines régions ça. Ouais, ouais. Tu m'étonnes. Ouais, comme d'habitude, hein, comme au boulot. J'ai l'habitude d'être à quatre pattes. Mais bon, pour le travail, pas pour trop chaud. C'est pas pour les foufous, non. Bah oui, pour les styles foufous, t'es obligé de mettre à quatre pattes, non. Eh, hey, viens derrière. C'est génial. Donc voilà. Moi je trouve ça vraiment super super super, c'est vraiment très génial. C'est, ça te donne vraiment envie d'en avoir un camion chez toi. Tu te m'amuses avec. Donc désolé si je filme pas Eric, son mari. Parce qu'il veut pas. Il n'est pas trop vidéo. Donc je respecte. Je respecte ça. Donc c'est pour ça que je ne filme pas. Mais c'est lui qui conduit le camion. Donc ce midi on a bien mangé. On a mangé tartiflette. Ah, franchement, franchement, ça donne envie d'en avoir un à la maison. Ah oui, c'est vrai, c'est sûr.
Ah, la cabine à trombe. Ouais, quand il a démarré, ça a fait comment camion. Ah oui, ça a démarré. L'année dernière, à Noël, il m'a offert le simple comme le. Même là, quand il a mis les quelques, bah, tu sais, tu fais ta pâte, tu peux faire tout ça. Ah, ouais, c'est ce qu'il veut dire. C'est pour s'en passer, je pense à l'arrêt, quand je passe du coup. Non, c'est très bien, c'est à faire au bruit, tu peux préparer ton repas aussi, tu peux faire. Parce que dans les vraies cabines, c'est des 8, 20, 12. Ouais. C'est vachement grand, hein. C'est pas dans le temps, j'ai vu dans ça. C'est sur Réunion. Et moi, j'avais acheté. Non, mais c'est ok, il a la couleur, il a la De qui? PSG. Chicken 6 tout seul. Je regarde pas le foot. Je lui dis, laisse. Ça fait un petit appareil comme ça. Mais ça commence, tu mets ta viande ou poisson, tu peux faire. Tu t'en mets pas pour deux, hein, c'est pour une personne. Tu mets ton morceau, tu cuis, ça cuit, tu refermes, ça cuit. Et pour faire l'omelette, c'est pareil. Tu poses, tu mets ton. Ouais. ton... Puis on va aller, puis tu feras plus. Ça. Ouais. Il y a un truc par contre que j'aime bien, c'est les lèvres, ça me fait mal. Je sais pas si t'as vu, c'est un gros tuyau. Tu fais ton maquis toi-même, hein, par contre, tu prépares tout ce qui est ton maquis. C'est quoi le maquis? Tu sais, c'est. C'est japonais, t'as les sushis et t'as les maquis. C'est la feuille d'ail, on fait rien avec du riz ou de. Ah bar. Ouais, d'accord. Et alors, ils vendent dans le commerce ce truc pour que tu les fasses. Donc, c'est un grand truc comme ça. Grand comme ça, c'est rond. Tu l'ouvres. Oh. Ah oui, j'ai vu. Tu prépares ton truc, tu mets tout dedans. Ouais, et tu. Et il s'arrondit bien. Il y en a qui font même des maquis ou les maillots, ouais, des trucs comme ça. Ouais, donc ça c'est un... Moi je préfère les classiques. Gros coucou, sur quoi là, hein, ne vous inquiétez pas. Et là, là c'est une maquette de bateau, de voilier. C'est le petit bruit de la réparation. C'est fait maison, pareil. Enfin, quand je dis fait maison, c'est fait industriel, hein, c'est fait à la main. Il l'a pas acheté, il l'a fait vraiment de lui-même. Comme ils ont meilleur papier. Ouais, donc je vous montre. Moi, je vais pas comme ça, mais c'est vraiment un superbe voilier. Tout en bois, ça, avec les cabines et tout. C'est ça qui me fait. Bah, ça, on a beaucoup de choses qui sont ça. Il manque juste le petit bonhomme, le petit capitaine. La porte qu'on a vue de dehors, elle est là. Franchement, nickel. Allez, là, nickel. Donc ça, vous connaissez le Mister, là, le vieux là. Donc ça c'est cadeau. Voilà. On a droit à un petit cadeau, petit chat. Voilà, il est super. Ah, oh, regarde, il y a le menu. Regarde, Phil. Attends, ne remets pas en route, va peut-être avoir. Ça bouffe. Poignons, hein. Bah, un peu comme les chats. Hein. Ouais, mais les chats, tu leur fais pas un kilo de. Ah non. Non, bah non. De pâtes. Tu veux une cigarette, maman? Tu veux un brioche fait maison? Oui, j'ai mangé une brioche fait maison. Merci, tata. Comment il est passé rapide, le chat? Ah, en fait, si vous voulez des grands tubes, vous allez à Babou, il c'est pas cher. T'as mis le tube. Bah, on n'en a pas vu, donc on a été chez Babou. Donc, vous avez vu la pub, hein? Tu fais pas les tubes. Non, mais pour toi, ça me.
Ah si, on les a vus à Babou YouTube. Ah bon? Ah non, t'as ce que je t'avais dit de me dire. Non, t'as ce Stokomani qu'on avait vu. Justement, je n'ai pas. Tu fais les trucs, toi? Ah bah non, tu fais pas toi non plus. C'est vrai que c'est ta sœur qui fait. Pendant une période, c'était pratique. C'était un Stokomani qu'on avait vu. Non, c'est pas la machine, toi. Vas-y. Game, il avait ah bah oui, si. La bleue. Bah oui, c'est ouais, la bleue. Parce que c'est à Stoko, voilà, j'en avais vu. C'est Geoffrey qui l'a rendu. Ah non, tu l'as récupéré. Non, fais plus les tubes. Moi, je l'ai plus à la maison. C'est moins cher de faire des roulées que de faire des tubes. Bah après, si tu préfères vraiment fumer une cigarette, c'est quand même mieux le tube. Je préfère fumer un tube qu'une roulée. Mais ça coûte moins cher de faire des roulées. Parce que t'as juste le. Par exemple, le paquet de fil, c'est 1,50€. Et ça me fait à peu près 2-3 semaines. Ça dépend comment tu fumes. Ça. Donc voilà, bah on va vous laisser si sur ça. Les gros sur la tête à Geoffrey. Bah si, pour un jour, c'est dans le lien et que. On aille à Bouillon. Eric, il aime pas. Bouillon. On aille à Bouillon, on part le matin, le samedi matin, on va à Bouillon et on vient après, avant de manger. Fait que l'aller-retour. C'est quoi comme magasin, Bouillon? C'est la Belgique. Pour le tabac. Ah, d'accord. C'est pour le tabac. D'accord, ok. Et tu as même les chocolats Olidas, c'est comme ça qu'on dit? Olidas, ouais, la Olidas. T'as le magasin là-bas. Ah ouais, ouais. Non, c'est bon, il y a des putes sur vitrine. Non, il n'y a pas de putes. Il n'y a pas de putes, merde. Tiens. J'aurais voulu voir. S'ils ont des gros nichons ou pas. Tu as goûté au moins? C'est de la bonne. Il y a dans le jardin. Mais c'est quoi au fait qu'on a mangé ce midi? Tartiflette. Tartiflette. Voilà. Donc ce midi, on a mangé bonne tartiflette fait maison. Avec rajouté, on oublie de dire. Guigui nous a mis dans la tartiflette. Ah oui, voilà. Ketchup et moutarde. Mais c'était très bon. Donc fait maison, pas fait au co. C'était super bon, mais. Pas fait au coquéo, bien sûr. Fait maison. Non. Et ce soir, c'est quoi? Ce soir, c'est raclette. Raclette maison. Sans ketchup. Sans ketchup, et sans moutarde. Bah oui, bah, peut-être que je me connais, c'est ketchup et moutarde, obligé. Sans fromage. Je suis pas une raclette alors. Vous avez les poils ronds. Donc voilà, on va vous laisser sur cette fin. Voilà. On va vous laisser sur la bouteille de Fanta. Elle s'en dit parce qu'on boit après. Voilà qu'est-ce qu'on boit, voilà qu'est-ce que ça nous donne à boire. Du Fanta. Oh. c'est un peu. Non, je rigole. Vas-y, je vous sens. Allez. Sur ce. Bisous à tous et abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. Voilà. Et comment il fait à la fin? Partagez. Hugues. Hugues.